Bonjour et bienvenue à notre vidéo spéciale préparation pour l'hiver. En tant que propriétaire de chalet ou résident dans les Laurentides, vous avez certainement votre routine d'automne. L'intention de cette vidéo est de vous partager nos meilleurs trucs et procédures afin de bien vous préparer pour la saison hivernale. As real estate brokers and experts regarding your home, here are top tips and recommendations to prepare for the winter season. Que ce soit au niveau entretien de votre maison, de votre terrain et ou de votre équipement de sport, il est temps d'y voir. We have a blast preparing these videos for you and we hope you enjoy it. Let's get started now with Jonathan as he shows you how to prepare your landscape for this upcoming season. Even though cleaning the gutters is a full-time job at my house, it's especially important in the fall so that the spring melt can flow easily through them. For the last cut of the season, I always mow over the leaves and on the lowest setting. That way in the spring, raking is easy and the mulch nourishes the grass. When I put away the mower for the season, take the opportunity to pull out the snowblower. I mulch my garden and prepare for spring planting in the fall. Today it's time to put the bees to rest for the winter. Okay, Jeremy, we got a deal to close. Let's go. Are you serious? Dude, this is my off time. It's not all about work and no play. I'm just kidding around. One thing is very important, probably the most important thing. You can't enjoy anything and you can't prepare your property or enjoy the slopes if you're not fit. Allow me to take a second to show you one great movement that's gonna get you ready for this season. Follow me. All right, so what you have to do is you have to get something that weighs something in each of your hands. For some people, it might be your wallet. For others, it can be a can of soup, bag of potatoes, each of your kids, whatever the case may be. So we start with our feet shoulder width apart. We're gonna squat down, keeping our weight on our heels and our bums toward the back, like this. Step one, squat down. We then come up to a bicep curl, up towards the shoulders, keeping the elbows back. Then we go to a shoulder press, straight overhead, up, come down, bend over slightly to a row, and then back to starting position. Watch me do it one time in full. As easy as that. Train hard, be safe, and enjoy this season. Thank you. Avant l'arrivée de l'hiver, je trouve toujours important de prendre une heure ou deux pour organiser son cabanon. De tout ranger les items d'été pour faire de la place pour les skis et sortir les raquettes est, à mon avis, essentiel pour pouvoir bien profiter de l'hiver avec notre famille et nos enfants. Alors, ici, vous avez vu que j'ai fait un rack pour mettre tous les gilets de sauvetage. Donc, tout est bien organisé et ça prend moins de place. De l'autre côté, je viens d'abrier mon ski nautique. Avec aussi au niveau de mon équipement de ski alpin, c'est très important de bien préparer la cire et bien les aiguiser pour être prêt pour l'ouverture de la saison de ski.
Avez-vous déjà remarqué que les cèdres sont coupés tous à la même hauteur alentour d'un lac? C'est une blague que je fais fréquemment en disant que c'est le niveau d'eau du lac qui monte de 4 pieds, mais vraiment pas. C'est en fait les chevreuils, l'hiver, qui vont aller sur la glace et qui vont aller manger les cèdres, donc tout à la même hauteur de 4 pieds. Alors vous ferez la blague à vos amis en leur disant que c'est le niveau d'eau qui monte beaucoup au printemps. Alors avant l'hiver, pour moi c'est très essentiel de changer l'eau du spa. Pas mal plus facile de faire qu'à 0 degré qu'à moins 20 pendant l'hiver. Alors de tout sortir l'eau, bien laver tout le fond, remplir avec une eau neuve est idéal à faire à l'automne. Hey Dad, qu'est-ce que je fais là avec mon quai pour le serrer pour l'hiver? Come on fiston, quand on a la chance, il y a plusieurs options, mais quand on a la chance d'avoir une baie, premièrement, on le détache du quai fixe. On peut pousser le quai flottant sur la rive, coller sur la rive et bien l'attacher pour pas qu'elle parte avec les glaces, mais c'est l'avantage d'être dans une baie. Si jamais on est plus au milieu d'un lac et qu'il y a beaucoup de mouvements de glace au printemps, les quais en aluminium sont vraiment une bonne option. On peut enlever les sections de bois au centre, l'aluminium est bien léger et on peut complètement le sortir de l'eau pour être sûr qu'il soit bien protégé quand le printemps et les glaces arrivent. En plein ça, garçon. Merci, Dan. So as you can see, yes, there's certainly some work involved in preparing both your property and yourself for the upcoming season. But the payoff is huge. Nothing's better than a nice warm fire with family and friends. And even that takes a bit of work, but it's worth it. Robert! Belle activité de groupe. Effectivement, corder le bois peut être très plaisant en équipe. Alors, je vous suggère de bien vous assurer la ventilation alentour de la corde de bois et de ne pas placer le bois trop loin de la porte d'entrée. Yannick? Pour avoir un beau bois sec tout l'hiver, très important de ne pas faire l'erreur de mettre une bâche de plastique par-dessus, étant donné que ça va garder l'humidité. L'idéal est plutôt d'avoir une feuille d'aluminium ou d'acier qui va bloquer l'eau sur le dessus de votre corde de bois. À toi, Joe! Une des plus belles aspects de Mont-Tremblant est l'accès aux services privés. Bien sûr, si vous n'avez pas le temps ou les aptitudes de faire ces travaux vous-même, appelez-nous, il nous fera plaisir de vous conseiller. De l'équipe Century 21 Tremblant, à vous et à votre famille, bon hiver et joyeuses fêtes! From the Century 21 Tremblant team, happy holidays to you and your family. Merci. Thank you.